Partance vers Salo, au nord de l'Italie. Ceux qui se sont entraînés pendant des mois pour une seconde de combat voyagent vers cet endroit où les mains fusionneront, modéliseront le noyau d'énergie, l'essence d'une lutte dont l'odeur excite l'instinct du chasseur d'images. À la pesée des corps, qui permet à chacun de joindre sa catégorie, je m'engage pour de bon dans cette parabole. Je m'en vais commenter l'action par-delà les faits, décrire le sport sur la scène du théâtre des sensations. Les épaules parallèles à la table, le mont du pouce visible, le coude collé à l'assiette. Les ferristes obéissent à une série de règles. Ils reçoivent un avertissement s'ils ne suivent pas ces règles, s'ils lâchent volontairement la main de l'adversaire, s'ils bougent pendant la prise de l'arbitre, si le coude quitte l'assiette. Deux avertissements et c'est la faute. Deux fautes conduisent à la défaite. Deux défaites valent l'exclusion. Elles vont un peu courbées en avant. Leurs têtes se touchent presque. Elles croisent leurs bras. Elles sont lancées dans un entretien confidentiel. Celles qui cherchent le fer et la flamme, oubliant toute retenue, comme frappées par les cornes d'un diable, doivent comprendre à fond les instruments. Prenant la main de l'adversaire, elles regardent à travers, serrent ou desserrent, secouent la chose, la porte à son esprit. L'impression qu'une voie s'ouvre à elle, vers la nourriture inconnue qu'elle désire si ardemment.
Elle incline fréquemment la tête, comme si nous avions salué et qu'elle nous répondit. Comme si elle admettait que nous eussions salué, mais ne pu vérifier ce fait de sa hauteur. À la voir, on peut croire que c'est une chose extraordinaire que d'être fériste. Sans cesse, le combat reprend. Corpulence, regard, expression changent suivant les individus qui s'animent sous mes yeux. Le fériste s'embrase. Il s'approche de la table, comme irrésistiblement tiré par des liens, le corps happé par l'envie. Le vent auquel il avait livré ses voiles en quittant le port n'est plus celui qui, une fois en pleine mer, lui convient. Il n'est plus temps de retenir. Le ferriste creuse déjà de tous ses doigts dans la prise qui offre résistance. Tout semble prêt. Un grand trou aux parois à pic s'ouvre immédiatement au-dessus, dans lequel l'homme s'enfonce, renversé par un léger courant. Tandis qu'il plonge au cœur de cet abîme impénétrable, la nuque encore redressée, son nom se dessine là-haut comme un éclair, avec d'immenses arabesques. Ravi de ce spectacle, il se réveille. Comme il faut que ces messieurs soient sûrs de leur situation. Que de mérites doivent-ils avoir acquis? Sous les yeux même de leur chef, de leur devoir immédiat. À moins que, malgré leur sourire et leur inattention, ils ne remarquent parfaitement tout ce qu'il faut? Serait-ce possible? On n'ose rien affirmer avec de tels messieurs. Mais il est hors de doute aussi que ceux-ci s'occupent très bien de la chose. Il faut qu'ils touchent tout du doigt,
À chaque instant, leur sens s'adapte. Aujourd'hui, il voit clairement que sans le plus grand calme intérieur, il n'aurait jamais pu échapper. Et, de fait, tout ce qu'il est devenu, il le doit peut-être au calme qui s'empare de lui sur scène, une fois les premières heures passées. Sa vue faiblit. Il ne sait pas s'il fait plus sombre autour de lui, ou si ses yeux le trompent. Mais il reconnaît bien maintenant, dans l'obscurité, une glorieuse lueur qui jaillit éternellement. Par une sorte d'obstination, il se refuse à quitter la table. Il relève la tête, moitié vivant, moitié mort. Voit le monde devant lui. Mais l'envie s'étale encore par flaques. Il en monte une fumée. Le corps éclate à plusieurs endroits. Il ne peut pas résister. De nouveau, il est là. De nouveau, il saisit la main. Ready, go! S'il a quelque foi dans sa pratique, si les paroles de son maître ne sont point emportées sur la mer par un vent impétueux, il tente l'aventure jusqu'au bout. Okay, start back. Okay.
shoulder. Center. 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 No. Il faut attaquer lorsque l'affront d'avoir un rival devient évident. Comme une pompe forcenée qui veut éteindre un feu épouvantable, chacun des muscles de son corps tire et frémit. En suivant avec précaution le fil de l'eau, on passe un fleuve à la nage. Ce dont on ne viendrait pas à bout si l'on nageait contre le courant. Je suis le courant. Je suis la vague. Ensemble, nous composons ce morceau. Nous construisons nos mythes. Nous définissons la lutte et le respect. Ensemble, nous nous distinguons.
Quelle discussion pouvons-nous engager avec nous-mêmes? Quelle perpétuelle querelle nous piège dans cette boucle? Obsédé par une boucle, je suis. On croit connaître notre limite et les gouffres qu'elle cache. Go ! Stop ! Stop ! Voyez un feu presque éteint pour avoir consumé peu à peu son oxygène. Il a disparu sous la cendre qui le recouvre. Mais, si l'on y ajoute du souffle, la flamme qui semblait éteinte se retrouve et donne la même lumière qu'auparavant. Il se lève, comme il eût été pour lui-même une charge énorme. Il continue son chemin. Poussant un soupir après tant d'efforts, il se retrouve. Recommence à croire qu'il ne peut absolument pas rester au lit et qu'il faut raisonnablement tout sacrifier à la plus petite chance de sortir de là. Le piège se referme. Mais le monstre alimente ses poumons. Il respire encore. Chose impossible. On ne cesse d'entendre revenir à travers tous les bruits de la table le claquement de sa mâchoire. Ici, nul autre que toi ne pouvait pénétrer, car cette entrée n'était faite que pour toi.